Mibiapa William News. Bonsoir. Alors, je suis ici pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un film qui nous a été proposé pour la compétition des films étrangers et films internationaux par l'Institut Goethe. Mais ce n'est pas parce que ça s'appelle l'Institut Goethe, mais c'est parce que l'Institut Goethe, par rapport à l'Éclat Noir, représente beaucoup. Et donc, je suis venu dire merci aussi à l'Institut Goethe. Parce que le film que vous voyez là, c'est le résultat d'un travail que nous menons en partenariat depuis pratiquement une dizaine d'années, je crois. Et donc, nous allons voir ce film dans le film. Parce que c'est une occasion qui m'était offerte, même si j'aurais l'occasion de le faire plus sur l'arrivée et à d'autres. Thanks for including the film in the Grand Festival, Grand Noir Festival. It's the second time we showed in an African context. We were in Congo Brazzaville with Passy. I was not there, and then now it's the second time, and I'm actually have to say that I'm quite excited about how you will see the film, what you will think about it. There's not much to say. It's a personal film. It's a melodrama. It's a love story. It's I hope it's also much more than this, and we will speak afterwards. There's not much to say before the screening, so enjoy the film. Absolutely. Alors, voici. Ayant vu au Cameroun pour le cinéma, on t'aurait attendu pour la musique, ça, j'ai créé dans le roman. Mais dans le cinéma, nous sommes contents que tu arrives dans tout cela. Qu'est-ce que ça dit depuis quelques heures que tu es? Je suis content d'être arrivé au Cameroun. Je regarde le sol rouge, c'est. Parce que le Congo, c'est à côté, donc c'est les mêmes sols, donc je me sens un peu chez moi, comme si je suis au Cameroun. Et puis, je suis content d'être venu pour le film, parce que c'est vraiment un film qui parle de. Moi qui viens en Europe, qui parle de. Et bon, les mauvais côtés qu'il peut y avoir pour le métissé. Quand j'ai fait ce film-là, je savais qu'en Afrique, j'aurais un retour, une résonance, même en Europe, où tous les Européens qui sont concernés avec l'Afrique pourraient se sentir concernés par ce film. Et donc, je suis pressé par vos réactions. On a fait ce film aussi pour que les gens le voient en Europe. Mais moi, je suis super content parce qu'on a été au Congo. Et je suis super content, je remercie Goethe, je remercie Ekranwa. Je remercie l'Institut français parce qu'on voulait absolument vous le montrer à vous aussi ici en Afrique pour avoir votre tour, vos réactions, aussi imaginer comment ça peut se passer en Europe pour ceux qui migrent vers l'Europe. Donc merci d'être là et merci à Ekranwa. Merci. Long film, huh?
un doigt en l'air. Oui, oui, allez-y. Salut à tous, moi c'est William Diaba, je produis du contenu pour les réseaux sociaux. Bon, déjà, je tiens à apprécier Monsieur qui m'a beaucoup parlé sur ce film-là. Bon, la question que j'ai, c'est de passer à savoir si ce film est un coup de tête ou si c'est juste. Ou si c'est une reconversion. Merci. Si c'est un coup de tête, c'est-à-dire peut-être rester après le confinement et faire quelque chose, ou alors c'est une reconversion. C'est-à-dire, vous avez fait des cours, des masterclass, vous avez appris mon livre, peut-être vous avez fait un conservatoire, et puis là, vous dites, j'ai encore une carrière après ce jour-là, et là, vous êtes cinéphile, c'est artiste, acteur. Et je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé un de vos sons, c'est toujours du rap business. Merci. En fait, c'est vraiment une passion. Allô? En fait, c'est vraiment une passion. J'ai joué dans quelques petits films, des rôles à droite à gauche, mais j'attendais de trouver. J'attendais le moment d'être prêt. Je vais donc entreproduire la musique, s'occuper des artistes, ça prend beaucoup de temps. Et je cherchais des scénarios comme ça où je pourrais sortir un peu des sentiers battus pour avoir le rôle du rappeur, le flingue, etc. Et donc, quand j'ai rencontré Lisa, quand j'ai lu le scénario, avec cette histoire de Joseph inspirée d'une histoire vraie, etc. Ça m'a parlé. Il y avait une recherche faite de la part de la réalisatrice au niveau, non seulement il y a l'expérience, mais au niveau des liens, le Congo, les histoires de containers, les histoires de diamants, tout ça. Et l'histoire m'a touché, m'a plu, parce que là, c'est vrai que c'était un Congolais, mais c'est quand j'étais dans le bar là-bas, ou quand j'étais en Allemagne, quand j'ai visité, il y avait beaucoup d'Angolais, même de Camerounais aussi. Donc je savais que c'était une histoire qui pouvait toucher une bonne partie de l'Afrique. Et je me suis senti prêt à jouer ce rôle. Et en même temps, j'attendais des films comme ça, un petit peu plus profonds. J'ai fait des films où j'étais le mauvais flic, je courais, ça tient partout, c'est bien beau, mais ça ne permet pas de jouer, de s'exprimer ou de surprendre. Et donc dans ce film d'auteur, ça permet d'être en profondeur, de jouer les silences, d'être beaucoup plus profond. Et c'est ce que Lisa cherchait, et elle était contente à la fin. Je suis dit, ça va, c'est que j'ai fait le boulot, j'ai vraiment pas. C'est pour cela d'avoir un rôle. Et ça, c'est très beau.
we have to shoot. But writing the script first, I said it was inspired by the relationship of my mother, so I had the feeling I was encouraged to tell a story like this, because otherwise I probably wouldn't have done it. But then from starting the script, I started to write the script in 2009. Yeah. I did different things in between. It's not, I don't know only about the script. But, but it took a long time, so I researched a lot, I read a lot, I had a lot of interviews, and most of the people who take part in the film are really people I know for a very long time. So they're all from the African diaspora in Frankfurt or Berlin. We did a huge casting to find Ambara, for example. We casted 200 people, so from all this work, like, a lot of people took part in the film as well. And so you write fiction, and then of course I have to recheck with the reality. So because for me it was, I had really sleepless nights to write Congolese perspective, if you can say that exists. But I wrote, and then I had to talk again to, like, of course, people from Congo. What would you think about a scene like this? So I kind of tried to confront my fictional idea with the reality. So, but it's a long way to go, and so we did it together in the end. I mean, of course, I wrote the script together with Hannes, but yeah, it was necessary to have the support of the community. And the friends, everybody's taking part, they translated, acted, so it's kind of a, yeah. And of course, and the husband of my mother, he was a huge help, because when I started saying, like, I want to make a film about it, relationship, they were both like, oh, jeez. And then it was also a big support in the sense of, I mean, it also has a special nature, so it was a good role model. Je tenais à dire un truc magique. Quand on a été faire le repérage, regardez où avait vécu Joseph, où s'était passée l'histoire. Dans son corps, j'arrive devant le bar, et le bar s'appelle Le Bissonabis au bar. Je me dis, bon, ok, c'est un film pour moi, c'est normal. But I have to say one thing to make it possible. We did a lot of rehearsals. So it's not that why we chose people like, and then we shot the scene. So the guys who are fighting about politics, I saw them like 3 or 4 times before in the rehearsal. So they were like fighting the whole time. And then we were on set, I just said, okay, let's go. You are for this president, you're for this, you like this president. And they did a performance, and the material was in the end 20 minutes of guys fighting at the table. But they knew what to do, so they were prepared for the shoot. Alors, merci. Bonsoir à tous. Idriss Ouyaïa, c'est mon nom. Ma question va à l'endroit de la réalisatrice. Alors, le thème de cette 26e édition du Festival Écran Noir, c'est le cinéma comme art total. Alors, cela se traduit dans votre film par l'utilisation des musiques. Alors, j'aimerais savoir comment s'est opéré le choix des musiques jouées dans ce long métrage. Merci. Oh, I had a music advisor, of course. Franco, there's music I know, but it's of course also difficult to get the rights for music because mostly they're very expensive to get the rights for music. So we were researching a lot, and I had